Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la soustraction de deux nombres relatifs avec la méthode des ascenseurs. Alors on va considérer un ascenseur avec la partie sous terre et la partie hors terre. Donc on a 0, le 0 qui correspond au rez-de-chaussée, et on souhaite faire un premier calcul qui est plus 7 moins plus 2. Donc on va supposer qu'on est à l'étage plus 2, donc on prend la fin du calcul, donc on est à plus 2. Et notre objectif, c'est d'aller à l'étage plus 7. On regarde combien on a, qu'est-ce qu'on a fait comme action avec l'ascenseur. On voit qu'on est monté et on cherche à savoir à combien on est monté. Donc à 2, on est monté donc 1, 2, 3, 4 et 5 étages. Ainsi, plus 7 moins plus 2 égale à plus 5. Deuxième exemple. On va faire moins 4 moins moins 1. Donc on va supposer qu'on est à l'étage moins 1 et qu'on souhaite aller à l'étage moins 4. Donc on est descendu, donc le résultat sera bien négatif. Alors on est descendu de 1 étage, 2 étages, 3 étages. Ainsi, donc, moins 4 moins moins 1 est égal à moins 3. Troisième exemple, si on veut faire plus 8 moins moins 7. Donc on va supposer qu'on est à l'étage moins 7 et qu'on souhaite aller à l'étage 8. Donc là on a beaucoup d'étages à monter. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 étages de montée. Ainsi le résultat est donc égal à plus 15. On aurait pu aussi, au lieu de compter là, comme ça, on aurait pu dire que de moins 7 à 0, on a monté 7 étages, plus les 8 étages encore, 7 plus 8, ça fait 15. Et enfin, dernier exemple, on veut faire moins 4 moins plus 5. Donc on va supposer qu'on est à l'étage numéro 5, et on souhaite aller à l'étage moins 4. Donc on est descendu, donc le résultat sera négatif. Donc on est descendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages. Ainsi, moins 4 moins plus 5, ça fait moins 9.